Salle de Claire Baglin aux éditions de minuit. Claire, une jeune étudiante employée dans un fast-food, décrit son quotidien. En parallèle, elle raconte son enfance et son adolescence dans un milieu ouvrier. Une écriture précise, un humour froid, une colère sourde. Nous sommes emportés par ce texte court qui dit l'aliénation au travail. Nous entrons et à l'intérieur, tout se complique. Le monde La vache Le hall est encombré et on ne sait pas où commander. C'est un dimanche soir, retour de vacances. Maman dit Attendez, mais c'est trop tard, Nico est déjà parti. Il se ferait un passage entre les gens, les écarte avec ses petites mains, pousse les rangées de jambes et les sacs tenus à bout de bras. Nico profite des brèches et je file derrière lui, me réduit à ses dimensions pour passer sans encombre. Je nous fléchis, bras repliés le long du corps. J'avance, mais contrairement à lui, je m'excuse parce qu'on a trois ans d'écart. Nico trouve un espace vide et s'y jette. Il sort de l'attroupement. Les néons l'éclairent et il finit par arriver au caisse. On le renvoie faire la queue avec les parents. Réfléchissez à ce que vous voulez manger pendant ce temps là. Nico donne des coups de pied dans les serviettes roulées en boule. Quand il s'éloigne de nous et se rapproche du couple devant, comme s'il souhaitait changer de famille, les ongles de maman le ramènent. Je fixe gravement le porte-clé d'un sac à dos. Mon père a ouvert sa veste, il tripote sa sacoche et s'agace. Je vois rien. C'est où les frites? Le prix, c'est celui de droite ou de gauche Maman regarde autour d'elle comme si elle avait perdu quelqu'un. Les commissures de ses lèvres sont écarlates à cause du sel des chips. Lorsque le porte-clés avance et que je n'avance pas, elle me pousse de la main droite. Je regarde la nouvelle plaque au mur qui interdit de fumer lis les petites lignes. À la caisse une dame à casquette noire pose quatre questions auxquelles mon père répond. Mais vous avez quoi? Il se tourne vers maman qui hausse les épaules. Nico ne fait que sourire. Alors mon père me presse du regard. Je dois décider. Sur les panneaux, les burgers, les menus, je ne les connais pas. Les boissons brillent. À chaque question de la caissière, mon père répète et en boisson et en dessert. Quel accompagnement Je m'en sors avec un menu enfant et un extraterrestre qui brille dans le noir. Passée l'angoisse de la commande, Nico et moi guettons sa préparation derrière le comptoir. Nous crions par moments C'est celle-là C'est celle-là Et enfin arrive le tour de mon père. Il répète alors Alors, alors. Et finit par demander des frites. La caissière se jette sur lui pour le manger tout cru. Elle lui propose Le grand coca Le burger parfait pour les grosses fins Et mon père répond C'est grand comment Il lutte à coups de portefeuille. Mais ça coûte combien Ah ouais, peut-être pas ça alors. La dame s'accroche Si vous le prenez en menu, vous l'aurez pour moins de 10 euros mon père écarquille les yeux. Les burgers ont trop de couleurs. Il est sur le point de capituler, mais résiste une dernière fois. Je peux le prendre en normal. Maman baille et regarde sa montre qui retarde. Ce midi, un roulement. Je suis frite. Les autres me disent bon courage et la formatrice réapparaît. C'est reparti. 4h30 à faire. J'enfile le tablier de plastique et j'y suis. Il me donne les consignes. Au son strident et lent, il faut secouer les panières. À ce court et pressant, sortir les frites de l'huile. D'autres sonneries retentissent, mais il dit C'est rien ça, tu n'as qu'à appuyer. Je jette un coup d'œil à l'écran des commandes juste au-dessus de ma tête. Je ne lis pas. Je vois bien qu'il y en a trop. J'appuie sur le bouton. Des rectangles carrés surgelés tombent dans la panière. Je la saisis. Mon poignet ploie. Je la plonge et le muniteur commence le décompte. Les équipiers derrière moi disent Augmente ta prod, là, fais ta prod, allez L'appel à frites dans la main, je remplis les cornets, racle les bacs, mais les alarmes m'arrêtent. Je lâche tout, réponds à l'appel. J'appuie, la sonnerie s'arrête, je secoue la panière, j'en plonge une nouvelle, et mon soulagement dure 4 secondes. Il faut valider 20 secondes. Il faut secouer trois minutes, il faut sortir les frites. Une équipière me reprend. Pourquoi tu lâches ta pelle? Je ne veux que tu ne la relâches que quand tu as fait toute ta prod. Je ne suis plus seule avec mes frites. Ils surveillent mon travail. De la façon dont je tiens la pelle au mouvement des panières, je dois enchaîner. Reprendre l'outil, remplir. Les cornets partent sitôt près. Je tasse dans les sachets, dans les boîtes. Je coule. Les commandes s'alignent. Quelqu'un me dit « En fait, il faut que tu plonges dès que tu relèves une panière, tu vois Tac, tac, tu vois où Pourquoi tu ne le fais pas alors ?» Les signaux sonores lents, deux en même temps, rapides. Au début, j'hésite, c'est les friteuses qui sonnent ou les poissons panés plus loin dans la cuisine. À la fin, je sais. Le bruit vient de ma poitrine, comme quand les basses la font vibrer, comme quand je posais ma main d'enfant sur mon cœur avec l'impression qu'il allait exploser au son des démons de minuit. De nouvelles alarmes, les commandes internet sur le tableau de bord derrière moi. Mes mains sont trop grasses. Le bruit me fatigue. Je secoue la panière. Lâche. Reprends. Ça sonne. Volte-face. La pelle avec le sachet au bout. La panière suspendue au-dessus des cuves. Égoutter. Secouez doucement. L'huile crépite et vient pincer mes avant-bras. Allez, c'est bon, là. Il faut pas y passer des heures non plus. Je la vide. Je la jette avec les autres. Les clients qui renvoient leurs frites trop froides. Envie de plonger leurs mains dans l'huile bouillante. Les miennes rouges. Le sel griffe. Un équipier a besoin d'une frite en urge, et je la fais. Merci, moyenne frite. Ils ne connaissent toujours pas mon prénom. Je tasse, secoue, relâche, enfin. Une alerte, il faut secouer, 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 mais pas le temps. Quelqu'un appuie sur le bouton à ma place. Agit brutalement la panière pour me reprocher de ne pas l'avoir fait. Et les autres viennent. Ils disent en fait, il faut que tu Mais je n'écoute plus. Il y a une énième explication au bout, et je n'ai pas le temps. Dans mon dos, le directeur chante qu'on ira tous au paradis. On ira?